Thank you.
On est tellement ravis et la joie est tellement immense qu'on ne sait pas exprimer. Et vraiment, cette visite est très bénéfique pour la population de Bipemba qui n'a aucune route asphaltée. Et aujourd'hui, maman a visité, elle s'est enquérie de toutes les situations qui dérangeaient vraiment la commune. Et là, elle vient de visiter le maison qui enclave la commune, qui ne facilite pas l'accessibilité. Et nous comptons sur sa bravoure, elle va pouvoir nous aider à désenclaver la commune, à achever tout ce qu'il y a comme artère à entamer par l'OVD via Safimex et GMC. Et quelles sont les priorités que vous proposez? Oui, les priorités, nous avons le pont Mouloui qui est là. Il faut vraiment, avec le pluie qui ont commencé, c'est mieux d'arrêter déjà la progression et aussi construire le mur de soutènement. Et après ça, il faut aussi nous désenclaver la commune parce qu'avoir un bâtiment si beau que la commune de Bipemba qui n'est pas visible à l'œil nu, ce n'est pas aussi une bonne chose. Elle est là, elle a déjà donné le mot d'ordre. Déjà à partir de demain, on va entamer les travaux sur Mouloumoui et aussi désenclaver la commune. Et tout ce que je peux dire maintenant là, c'est juste merci. L'impression est que l'état d'avancement des travaux reste satisfaisant. Sous l'œil de surveillance de l'autorité provinciale, Madame la gouverneure, Excellence Julie, aujourd'hui nous nous sommes décidés à en appliquer un point qui est la commune de Bipemba, où nous avons commencé par la RN1, où les travaux sont exécutés par l'entreprise Samcret. Et là, nous avons trouvé qu'il y avait un problème de gestion d'eau entre les eaux qui sont prises en charge par la voirie et ces eaux qui devaient se déverser sur la nationale numéro 1. Donc, un problème où nous devons remettre les structures qui sont dans ces projets ensemble, revoir un peu les études. Et nous avons demandé à ce que demain, qu'il y ait déjà une première séance de travail. Nous avions été avec l'excellence Madame la gouverneure ainsi que Madame la bourgmestre des communes de Bipemba sur d'autres problèmes qui aujourd'hui, qui devaient une solution qui devait être un impact direct sur la population avec les ponts Mulunguri, où nous avons trouvé qu'il était vraiment à un état non pas agréable. Nous avions, par les trichements de notre agence OVD, ainsi que l'entreprise qui exécute les travaux avec Safrimex, à ce qu'on puisse prendre en charge ces ponts. Et nous sommes venus ici sur la grande avenue où les travaux sont aussi exécutés par l'entreprise Safrimex, Tatukaninda, mais où nous avions trouvé que la commune a été totalement enclavée. Et nous avions posé les problèmes et avions demandé à l'entreprise de prendre en charge cette partie aussi et faire un amorce qui pourra connecter la commune directement vers Tatukaninda. Qu'il y ait une foule ou pas, nous recevons quand même de bons témoignages que les projets, que ce soit exécutés en province, soit au niveau du trésor public, au niveau du gouvernement central, elle a quand même les soucis. Elle fait le travail, comme je peux le dire, d'une mission de contrôle aussi, où elle va sur terrain se rassurer que même les ouvriers sont pris en charge. Là, on venait de recevoir quand même un bon témoignage aussi, que les salaires des ouvriers qui étaient un peu négligés à 7 000 francs, elle avait donné les instructions. Aujourd'hui, ils seront payés 11 000 francs. C'est quelque chose de louable. On a trouvé la population qui était là. Vous savez, les moments, les sociaux de notre pays ne permettent pas que nous puissions tout avoir. Et je vis là, elle a donné instruction, elle a donné l'argent de sa propre poche pour qu'on puisse servir cette population de l'eau. Voilà les actes que nous louons. Et j'encourage et je peux demander à l'autorité provinciale de vraiment compter sur nous, de compter sur le ministère des Infrastructures, qu'à chaque point, chaque fois qu'il y a un problème, nous serons là pour les accompagner.